Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. À l'ouvrage pour entretenir une ambition légitime dans son temple. Pour Lamine Diaye, le TP Mazembe devra être à son meilleur niveau. Qui va progresser? C'est pas que depuis ma mélodie qu'on a pris confiance, ça a renforcé la confiance qui était là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient en cette équipe-là. Mais au fur et à mesure, le travail aidant, voilà, on s'est mis à fond la caisse. Parce qu'on savait, nous, ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, l'équipe est capable de battre n'importe qui. Dans un bon jour. Et avec l'apport du public, je pense que si on est moins maladroit que lors du dernier match, hein, ou si on a plus de réussite, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. L'élan des Corbeaux, cette saison, est porté par les valeurs collectives. Il n'y a pas à changer grand-chose, même si le capitaine Kevin Mondego devra être le grand absent. Les Corbeaux veulent rester fidèles à leur philosophie. Je le dis, je le répète depuis le début, c'est le collectif chez nous qui prime. L'équipe est plus forte qu'un individu. Et je pense que c'est en conjuguant nos efforts ensemble qu'on va espérer faire quelque chose de grand. Lamine Diaye sur le terrain, c'est lui le chemin, la voie et la vérité qui mènent au succès. À en croire la déclaration de Boubacar et Nicolier. Là, on ne peut pas laisser les coachs de côté parce que... parce que là, on joue sur ses instructions. Donc là, les consignes et tout, là, si on est là, c'est parce qu'on a, du début de la saison, on a respecté ce que lui et son staff nous a... l'itinéraire qu'ils nous ont donné. Ndiaye a réussi à faire basculer le TP Mazembe du bon côté de la force depuis son retour sur le banc des Corbeaux. Le technicien franco-sénégalais a redonné du sourire et pas question que l'aventure s'arrête en si bon chemin, a plusieurs fois dit Lamine Diaye. Look, thanks to size on a bit difficult. It's not easy coming to TP Mazembe. But anyhow, we are looking forward to the game. I think everyone is expecting us to try and put our best and go through. And yeah, we will not change anything. We'll try our best. We know it's going to be difficult. Quand tu veux qu'on est dans un club comme Ali, tu veux gagner tous les matchs. On est prêt pour ça. On a perdu notre dernier match à domicile et on veut se rattraper samedi pour gagner ce match. On sait que ça va être un match compliqué, un match difficile. L'important c'est de rester entre nous, entre joueurs. Après c'est sûr que c'est une surface de terrain qui est compliquée parce que c'est un terrain synthétique, mais ça reste de 11 contre 11. Donc à nous de faire en sorte déjà de ne pas prendre de but. Et puis après on verra, tant qu'on ne prend pas de but, c'est le plus important. Non, on a peur de personne. Ça c'est sûr que la peur c'est pas chez nous, c'est pas chez Ali, parce que comme j'ai dit, on a pas besoin de nous présenter avec tous les trophées qu'on a remportés. Mais ce qui est sûr c'est que demain ça sera un match très compliqué. Mais on est prêt physiquement, mentalement, pour faire un grand match. Ouais, c'est sûr. En tout cas, j'espère que ce sera un beau match, déjà pour commencer, avant le match retour chez nous. Maintenant, comme j'ai dit, on est prêt à se battre. Ça va être la guerre, parce que tout le monde veut gagner ce match, tout le monde veut aller en finale. Donc du coup, à nous d'être prêts psychologiquement et de faire en sorte de gagner ce match.
wangu wa supporter yote ya kukisa Mazembe. Kama mneniona, hapa ni juu kusema nous devons aller tout droit en finale. Na ile finale ni mwemu taileta. Mimi miandaka kila shifu, ekipi kama hivyo na wina ni juu ya ile ya kuimua leta sulu etera. 12e, 13e joueur jusqu'au 20e, qui a obtenu un nombre de votes à jouer, pas les votes, et moi, je supporter. Je supporter l'équipe qui vient nous dire que, à la fin, la tournée a droit à l'erreur. Moi, je vais faire qualifier l'équipe. Il est chez vous, pour moi, 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 pour prier pour moi, pour moi, besoin de qualification. La qualification de Taïchez à Nouveau Kouet. Mungu a chéré pour tout abandonner. Quand tu es bien qu'un amour qui a chéré pour tout abandonner, oui, tu as une demi-finale, aïna chéré va comité à Pana, ni moi et population congolaise. Et moi, je vais supporter à Mazembe. Moi, mon appuyé, je suis un benzin pour Angola, pour Nouveau Kouet, pour Congolais, pour Angola. Na ba pikia accenti kabisa ba supporter équipe kupita na ba angolais bo benye mbuka un grand merci donc pour télé énergie le toka ko Angola pour accompagner l'énergie chibote tout est possible l'impossible n'est pas Dieu. Et pour faire complet ce reportage, ces images qui nous montrent la situation de la billetterie pour ce match aujourd'hui à Lubumbashi, les fanatiques mobilisés comme un seul homme pour pousser le tout-puissant Mazembe à la victoire ce samedi. Suivez. 5 ans après, le temple de Batiavouina va vibrer au rythme de la demi-finale à l'île de la Ligue des Champions africaine. À l'affiche, Mazembe reçoit Al Ahly d'Égypte dans un choc des titans. Un spectacle qui attire plus du monde, aperçu la matinée de ce vendredi 19 avril à la billetterie du club noir et blanc. L'ordre, la discipline, surtout la patience, chemin à suivre pour avoir son ticket du match. Plus qu'à motiver, le Badiangouina ne jure que par la victoire ce samedi. Demi-finale à Kamalundo, une phase très cruciale de la compétition, mais aussi un rendez-vous à ne pas manquer pour le supporter du TP Mazembe de Lubumbashi et d'ailleurs. L'URU de Kamalundo sera englouti ce samedi 20 avril 2024 par le supporter noir et blanc, attendu massivement dans le temple de Badiangouina pour la rencontre TP Mazembe Al Ahly, sous le coup des 15 heures juste. Le temple de Badiangouina va vibrer au rythme de la demi-finale à l'île de la Ligue des Champions africaine. À l'affiche, Mazembe reçoit Al Ahly d'Égypte dans un choc des titans. Un spectacle qui attire plus du monde, aperçu la matinée de ce vendredi 19 avril à la billetterie du club noir et blanc. L'ordre, la discipline, surtout la patience. Chemin à suivre pour avoir son ticket du match. Plus qu'à motiver, le Badiangouina ne jure que par la victoire ce samedi. Demi-finale à Kamalundo, une phase très cruciale de la compétition, mais aussi un rendez-vous à ne pas manquer pour le supporter du TP Mazembe de Lubumbashi et d'ailleurs. L'URU de Kamalundo
seront engloutis ce samedi 20 avril 2024 par les supporters noirs et blancs, attendus massivement dans le temple de Badianguina pour la rencontre TP Mazembe Al Ahly, sous le coup des 15 heures juste. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.